Bonjour et bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de God of War Ragnarok. J'adore les morts, j'adore la bite. C'est faux, absolument faux, j'adore la bite. Ça, c'est drôle. Putain, je peux équiper ça? Ah, si je peux équiper ça, j'équipe ça, mon ref. Protection des avant-bras. Ça me donne rien. Autant garder celui-là. Fonction de la taille. On va garder ça. Let's go. Jusqu'à ce que je trouve ce dont j'ai besoin, j'ai préparé un sortilège qui m'empêchera d'être attiré hors du royaume. On s'est battu contre Freya dans le dernier épisode. C'était sympa. Nous allons la trouver et la détruire. Je t'aiderai. Mais cela ne changera rien à ce que j'ai fait. Je sais. Je déciderai de ton sort quand nous en aurons terminé. Mais oui, Freya. Mais oui, t'as pas de couilles. Jamais de la vie, tu me défonceras. Vous n'irez nulle part sans ça. Qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches ? Bah, let's go. Et pourquoi as-tu besoin de Kratos, Altesse? Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin toute seule. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rompre. Celle-ci est puissante. Alors, tous ces efforts... J'aimerais trop genre que, genre, à la fin du jeu, il se retaille la barbe comme dans les premiers. Ce serait insane. C'est genre, le dernier combat qu'il a donné... Bang! J'ai retrouvé une vieille compagne de beuverie quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Enfin, non, bah, je suis content de pouvoir réutiliser ma PS5. J'ai attendu tellement longtemps pour pouvoir l'utiliser enfin. Je l'ai acheté en avance, Je l'ai acheté en sachant que j'allais jouer à des jeux, sauf que les jeux sortaient dans 10 milliards d'années, comme God of War. Bah, j'ai acheté la PS5 surtout pour God of War. On verra, c'est d'autres jeux qui m'intéresseront sur PS5, peut-être que je le ferai. Mais j'ai un PC, donc pourquoi garder pas. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi. Voilà, à base j'ai la PS5 juste pour jouer à des jeux de PS5. Ils sortent pas sur PC. Genre le prochain Spider-Man, donc Spider-Man 2, du coup je serai obligé de le prendre sur PS5. Mais il faut que je fasse Miles Morales. J'ai fini Spider-Man le premier, pas le 2018, je pense. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le premier Spider-Man. Bah voilà quoi. J'ai fait Spider-Man, je l'ai pris sur PC, je l'ai craqué sur PC. J'ai joué, je l'ai fini, je l'ai trouvé trop cool. Je l'ai même gardé pour essayer de le finir à 100%. Et là, normalement, le 28 ou le 18, sur le 18, il y a. Miles Morales qui sort sur PC. Oh donc, je me ferai Miles Morales sur PC. Mon sort, je le sens qui m'échappe. Ah ben ça, c'est Fimbulwetter. Non, tu ne comprends pas, je vais disparaître du royaume. Que peut-on faire? Une chose que j'espérais éviter. Que tu me baises. Je n'ai... Falky! Allons-y. Tu pouvais contourner le sort d'Odin depuis le début? Non, je l'ai découvert quand vous avez ouvert le passage entre les royaumes. Et ce n'est pas une solution. Cette forme est extrêmement contraignante. Ok. Ça vous dit une petite devinette pour se changer les idées? Qu'est-ce qui coule à cause du froid? Facile, un nez. Il va falloir trouver mieux que ça, Brock. Attends, je... Bordel! Attention aux plantes. Elles sont très agressives avec cette humidité. Bah, plus agressif que ça. Plus si agressif que ça. C'est vrai que je suis con. Merci. Je reconnais ce marché. C'était un lieu de rencontre et d'échange pour les villageois. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconstruit ?
semble intéressant. Ouais. Allez hop, c'est parti. Ouh, ça vous relance le palpitant. J'avais oublié à quel point j'aimais la castagne. Voilà. C'est ça qu'on veut, les amis. Où ont-ils bien tous pu passer? Ils ont dû se retirer, se cacher dans les bois, après avoir couvert leurs traces avec la magie. Impossible de savoir combien ils sont, ni comment les retrouver. Les As n'ont pas fait dans la dentelle ici, hein? C'est grâce à notre cher Mir. Déclarer la guerre aux Vannes n'a jamais été mon idée. Moi, je voulais négocier un mariage pour y mettre fin. Et quel succès ce fut! Bien évidemment, la paix a été tout aussi désastreuse que le mariage. A-t-il lancé une nouvelle invasion, juste après m'avoir exilé? Je suis sûr que t'as raté, putain. Tu devrais jeter un autre coup d'œil dans le coin. Montre-moi ce que t'as. Voilà mon pote. Hop allez, hop allez, hop allez. Oh, il a éternué. C'était une dinguerie. Revenir ici, ça fait remonter des souvenirs de ton mariage. Des gens bien sapés. La bouffe de premier choix. Mais ça rappelle aussi le scandale que nous avait fait ton frère. Pourquoi faut-il que tu l'évoques sans cesse? Laisse ton frère là où il est. Est-ce que c'est bien compris? Oh, je comprends parfaitement. Plus nous avancerons, plus la porte sera hostile. J'espère que tu es prêt, nain. Écoute, les fratries foireuses, c'est mon rayon. Sindri et moi, on a été tellement longtemps sans se causer que c'était comme si j'avais plus de frères. Bon, c'était un peu de ma faute du fait que j'avais mis les bons. Mais ça m'a pas empêché de rejeter la faute sur lui la plupart du temps. Ça te rappelle quelque chose? Et où veux-tu en venir? L'important, c'est qu'au bout du compte, c'était pas la fin du monde. Bon, j'ai la flemme de faire ça. Il est tout de suite redevenu le boulet que j'avais toujours connu. C'est ça, la famille. T'oublies quelque chose, mon ref. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'entendre cela maintenant? Tout ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. T'oublies quelque chose, mon ref. Hein. Bon, tu le sais pas, mais ton frère t'a sauvé la vie. Hein. Tout ce que je veux dire, c'est que si tu finissais par parler à ton frère, votre pire conversation serait peut-être pas nécessairement votre dernière. Assez. Le jour où je me tiendrai à nouveau devant Freyr, c'est que je marcherai et que je serai libre, c'est compris? Et pas tant que je serai coincé dans cet état ridicule. Tu tiens ta fierté, je comprends. J'espère que ça te passera plus rapidement qu'à moi. Très touchante, cette histoire. Ferme-la. Jamais. Oh, flemme. Pas assez pour faire 50 000 km pour trouver le troisième. Ah non, merci. Merci. Comment
Odin s'y est-il pris pour les faire fuir? Quelles armes a-t-il demandé aux nains de lui forger? Quelle part de dégâts revient à Mjolnir? Un seul homme peut-il en faire autant? Tout dépend de l'arme et de l'homme. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, mon frère, on a de la compagnie. Oh, une de ces saloperies poilues! Vous pouvez rien me faire! Esquive! Hop, hop! C'est easy! Esquive! Esquive encore! Tu veux jouer, face des troncs? T'en es sûr, hein? Un de ces petits copains la rejoint! Préparez-vous! Comment ça, je suis plus énervé? Ça doit faire mal, mon frère. Comment ça, je suis juste énervé? Ah, je dois changer ça. Non, mais il faut archi mal. Oh là là, putain, hein. Ils sont archi puissants, ces connards. Qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, mon frère, on a de la compagnie. Oh, il s'est saloperie poilue. Voilà, génial. Allez, venez. Voilà. Un de ces petits copains la rejoint. Préparez-vous. Tu ne toucheras pas. Tu auras juste des illusions en essayant. Voilà. Il se met derrière moi. J'ai pas le temps pour ces conneries. Non, mine ta mère. Faut que esquiver. Y'a pas du heal quelque part? Wow! Putain de sa mère! Oh, ça me saoule! Ça me casse les burnes! Ça me casse les burnes! C'est trop puissant ces machins! C'est trop puissant! C'est pas ça. Arme. Rage spartiate. Bravo au Führer. Consommer une portion de rage spartiate de bénéficier d'un... Mais non, mais c'est Führer, moi, que je veux. Voilà. L'âme du chaos. Où je peux l'améliorer? C'est où?
mon frère, on a de la compagnie. Une de ces saloperies poilues. Par ici. Voilà. J'esquive. Ah, toi tu dégages. Voilà. Oh, c'est dégueulasse ça par contre. Voilà. Ok. On bat les couilles. Minute. Si vous voulez pas vous retrouver les tripes à l'air. Yeah. C'est bon, vas-y. Le falaise. Ton peuple ne reçoit plus de visiteurs. Je l'ignore. C'est mon peuple à présent. Donne-moi un coup de main. Et t'avise surtout pas d'en parler aux autres. Allez, on monte. Vous êtes bien content que Brock soit là pour me... Oh, oh. Merde hein. Nous devrions sans aller le chercher. Sois sur tes gardes. Ah, un piège. Silence. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Le vieux borgne envoie un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé? Nous ne servons pas Odin. Non? C'est le frère de Freya? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Oh, franchement, garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperais bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Oh. Non, je suis pas ton frère. Tu as vendu ma sœur à ce... chien. Pour avoir la paix. Oh. Tu y crois? Où est-elle? Hmm? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose à sa voix? C'est moi, Yngvi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi.
Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. À son service ? C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux, crois-moi. Allez, laisse-les passer. Donc, vous servez ma sœur ? Comme nous tous. Détache-le. Camp de frères. C'est mon frère, lui. La vie de ma mère, c'est lui, c'est mon frère. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je crois que je vais rester tailler le bout de gras. Comme tu voudras. Mon frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le seigneur Freyer. Bon. C'est quoi ça, ressource flamme du chaos? Bah oui, mais j'en ai pas de flamme du chaos. Parce que je t'ai embrassé, que j'ai pardonné au... On l'a tout réparé. Alors si tu veux aller te balader entre les royaumes, fais-toi plaisir. Pardon? Ma famille est ici. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais ça représente beaucoup pour moi. Pour moi aussi, je te ferai dire. Bois de pirogue. J'ai pas pris la peine de me rabibocher avec mon empoté de frangin. Par les rayons de la lune. Ce camp doit rester secret. Compris? Je l'ai où du coup? Ah là. Désolé, étranger, on est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des as par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein? Son nom est Kratos. Et non. Les as sont à Vanheim? Ils occupent le royaume depuis... trop longtemps. Quel est ton plan? J'y travaille toujours. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Let's go. Hé, hey Kratos. Si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon. Pas son point fort. Je crains que ce ne soit un peu trop tard. Très bien. Voyons ce que nous avons là. Parle-moi de ton armée. Tu viens de la rencontrer. Quoi, vous cinq? Contre toute l'armée d'Odin? Six, en comptant le chien. Oh, misère. Eh oui. Sais-tu combien ils sont? Oh, tu sais, nombre, manœuvre, avant-poste. On est bien renseignés. Même plus sortir, let's go. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve. Et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée? Tu as à peine entrevu Freyer, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa défense. Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien. Ok. Sorry. Mmh.
Wow. Un ancien. C'est mon ref, ça. Ah non. Je suis mort ? Ah, je suis mort du poison, je crois. Oh, ils vont pas me gonfler longtemps, eux, hein. La vie de ma mère. Ils vont pas me caresser les couilles aussi longtemps. Mode gamer activé, évidemment. Oula. Ok. On est presque. C'est bon. Esquive. Non, il veut pas esquiver. Bon, je m'en fais aller là maintenant. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu joues sur ma corde sensible pour que je te laisse vivre. J'essaie simplement de t'aider. Nous ne devrions pas reproduire les erreurs du passé. Épargne-moi le récit de tes erreurs. J'ai assez à faire avec les miennes. Merci. Go!
Oh putain, ils sont beaucoup. Voilà mon pote. C'est ça qu'on veut ici. On continue l'aventure. Tout le monde a toujours un conseil à me donner. Alors que personne ne connaît rien de moi. La plus grande perte de ma vie est due au fait que tu m'as sauvée, alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. C'était ma famille, mon problème. Baldur n'était certes pas parfait, mais il était à moi. Je sais. Tu sais. Crois-tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant? Oui, je le sais. Tu en as eu un autre. Avant Atreus? Son nom était Calliope. Calliope? C'était il y a longtemps. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû demander. Ouais, mais ça termine quand là, c'est bon? Allons-y. Souviens-toi, rien ne sert de les frapper tant qu'ils lèvent Bon, esquive. Ok. J'en ai marre de me battre contre des gens qui sont ultra forts. Après, ils ont toute la vie du monde. Ah, je me rebattre encore contre eux. Oh. Ok. Rien ne sert de les frapper tant qu'ils lèvent leur bouclier. Non, non, casse les couilles. Ok, génial.
Merci. Encore ? Impossible. Non, au début, je sais comment le battre là, mais c'est chiant. En vrai, je peux le battre que à distance. Let's go! Let's go! Alors, t'en dis quoi? T'en dis quoi de ça? Tu fais moi la maline maintenant, hein? Tu fais moi la maline maintenant, hein? Ah ouais.
Nous devons atteindre cette tour de guet. Il nous faudra traverser la vallée, par ici. La vallée de Dana, la fameuse. Je connais l'histoire de ton fils. Je dois te raconter celle de ma fille. Au service d'un dieu cruel, j'ai détruit malgré moi un village. J'ignorais que mon épouse et ma fille s'y trouvaient avant que leur sang tache mes mains. J'ai juré de me venger. C'est... Je ne peux l'imaginer. J'ai fait payer leur mort 1000 fois et j'ai réduit l'Olympe en cendres. Mais la culpabilité demeure. Tu me tueras peut-être, Freya, mais ça ne t'apportera pas la paix. Ce n'est peut-être pas la paix qui m'intéresse. Toutes ces fois où je t'ai trouvé, pourquoi as-tu refusé de m'affronter? Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite. Qu'entends-tu par là? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés. Tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner à mourir. Je vois. Tu as entendu? Oh là là. Ken, si près du village. Son chant rend ses alliés invulnérables. Ils ne te laisseront pas passer tant que tu ne les auras pas tous vaincus. Wouah! Putain, ils m'ont cassé les couilles, hein. Je le reconnais à peine. Frayeur et moi, nous jouions à tâche dans les champs. Nous passions une journée à voler dans les villes. Nous dansions et chantions jusqu'au temps. Pourquoi fallait-il que je revienne ici et me remémore tout ceci? La grande halle. Elle est en ruine. Puisse Freya ne jamais trembler. Il manque l'autre moitié. Puisse-t-elle toujours nous protéger? C'est un vieux dicton. Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Ton pote, toi t'es mort. Let's go. Oula. Wow, wow, wow. Ils sont 3 contre moi, ils ont une vie de baiser. Ils ont de la vie de baiser. Mais à chaque fois qu'on m'attaque, il faut que je mette mon putain de bouclier. J'apprends jamais. Il faut que j'apprenne à mettre mon bouclier. Ce serait mon destin en vrai. Ok, on fait ça. Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Je suis prêt à les éliminer, je fais ça. C'est fait. Ok, quand tu m'attaques, faut que je mette. Oh, fils de pute. Oh.
Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut, putain. Qui d'autre veut se battre ? Dis-moi que c'est fini. Ah, oh, c'est fini. Comme si ce coup d'un, ma frère, n'était pas suffisant. Il a aussi détruit tous les souvenirs de mon foyer. Estime-toi heureuse d'avoir de bons souvenirs de ton foyer. À Sparte, on est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit l'agogé. On marche où l'on tombe. On se bat pour des restes où l'on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au monde. C'est ainsi que grandit un Spartiate. Les grands éloges. Ces plantes sont semblables aux poteaux d'infamie qui se trouvaient autrefois dans les contreforts de Midgard. Oh, que reçoivent les Spartiates. Ce n'est pas étonnant que tu sois devenu ce que tu es. Ton destin était celui de tes parents. Le destin peut être changé. C'est ce que je pensais. Quand les normes ont annoncé le destin de mon fils, j'ai cru pouvoir le changer. Tu sais bien ce qu'il en a été. Oui. Norne, les moires de ces terres. Exact. Tu défies la prophétie à tes risques et périls. Atreus partagerait ton point de vue sur la prophétie. Il se rue aveuglément vers un destin prédit par les géants. Il disparaît deux jours, cherchant à prouver qu'il est leur champion, censé se battre au Ragnarok. Comment ? Je connais toutes les prophéties du Ragnarok. Aucune ne mentionne un champion des géants. Groa l'avait caché. Grâce à ce champion, les royaumes échappent au Ragnarok. Seul Asgard tombe, et Odin avec lui. Donc tout ce temps... Malgré son obsession pour le Ragnarok, Odin a manqué une pièce maîtresse. Oh. Bravo, Roi. Atreus ne sera pas un pion de la prophétie. Tu t'opposes encore au destin? Alors même qu'il annonce la victoire? Je n'enverrai pas mon fils à la guerre. Ce n'est pas un Spartiate. Je ne veux pas que cela change. Tu me parles à moi de protéger ton fils. Mon drame ne t'a-t-il pas servi de leçon? Combattre le destin est une perte du temps précieux qu'on nous accorde auprès d'eux. Sans compter qu'à tout moment, l'on peut venir. Oh,
Maintenant, après avoir tué autant de dieux, comment quelqu'un comme toi peut-il encore craindre la guerre de la sorte? J'ai vu trop de guerres pour en ignorer le prix. Et moi non. Après ce qu'il m'en a coûté dans Terminium, regarde autour de toi, Kratos. C'est ce qui arrive lorsque personne ne s'oppose à un véritable fléau. Oui, madame. C'est l'un des capitaines d'Odin. Putain de merde! Ok. 2. Ah, il met longtemps lui, hein. Ah, mais oh, il m'a énervé lui. J'esquive la putain de ta race. J'ai utilisé le putain de bouclier ta mère. Ah, mais là en ce moment je fais que de rager parce que les boss sont durs, frère. Enfin, c'est pas des boss, c'est pas des boss aussi. C'est soit c'est un boss qui est ultra dur, soit c'est des petits gars qui me font chier. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, comme ça. Voilà! Voilà! On esquive! Voilà! Maintenant! Voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est pas... En vrai, c'est pas si compliqué, hein. C'était pas si compliqué, en tout cas. Parce que tu as perdu. Me tuer non plus. J'en ai assez d'entendre tes sages platitudes. Veux-tu bien te taire et te contenter de tuer ?
Ah, mes balles. Ok, je peux me bloquer ça. Je pense que je peux être de l'autre côté du coup. Je suis sorti par là, après ça m'avait dit d'aller là. Ah ok, c'est juste pour ça, d'accord. Bois de pierre. Ça c'est bien ça. Oui, je pars, ça sera pas bien long. Bon, au final, c'était bien là. Sauf que voilà. Est-ce que grosse pierre ici. C'est un peu bloqué, enfin, du coup, je vais juste faire ça. Non, trompé. Putain, comment je fais ? Bah c'est bloqué, je peux pas... Hein, c'est putain de bloqué. Je peux descendre ? Ah ok, je peux descendre. Je peux sauter ici. Bon. Bon. Ici je peux rien faire. On a un coffre ici. Et je peux pas monter ici, d'accord. Donc le problème, c'est qu'il y a des putains de trucs ici. Je vois pas c'est quoi le problème. Attends, il y a ici aussi. Voilà. Let's go. Yeah.
On ouvre ça. Boule de feu à longue portée qui en fait, c'est bien ça. C'est tout ? Ne m'ordonne plus de tuer. Quoi ? Je tue pour protéger mon fils, pour secourir mes amis, mais je refuse d'être un monstre. Plus jamais. Ce choix ne t'appartient pas. Pas avec la dette que tu as envers moi. Ce n'est pas une question de dette. Dans tous les cas, je t'aurais aidé. Alors, malgré tout ce qu'on m'a enlevé, je devrais simplement tout oublier ? Freya ! Assez ! Ah, la Freya, eh ben, elle s'en rancune, Freya. Là, je sens la source de la magie qui me retient à Midgard. Où sommes-nous ? Chez moi. C'est ici que je suis née. Attends. Quelque chose ne va pas. Opinbera. Des racines de l'arbre monde, liées par des nœuds d'Odin. C'est donc comme ça qu'il a fait. Allez ! Oh putain de merde ! Et ça malheureusement ce sera dans un prochain épisode. Et salut à tous !